Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un dessin pour la fête des papas. Vous aurez besoin de la peinture à bois bleu, différents marqueurs de couleurs, ici j'ai pris des Posca rouge et bleu et doré, un Magicolor noir et de la pastel magique bleu. Pour mettre la peinture à bois, vous aurez également besoin d'une éponge, genre éponge ménagère. Alors, nous allons faire un dessin d'un super-héros. Alors, on va d'abord commencer par mettre la peinture à doigts sur les doigts. Pas d'inquiétude, elle est faite pour ça. Donc voilà ma première main. Avec les mains, nous allons réaliser les capes. Vous mettez la main serrée pour qu'on ne voit pas le pouce sur le dessin et vous la mettez en empreinte sur votre feuille de papier. Ici j'ai pris une feuille de papier dessin type aquarelle, mais peu importe, n'importe quel type de papier dessin pourra faire l'affaire. Je fais la même chose avec ma deuxième main. Bien entendu, j'ai des grandes mains d'adultes, vos enfants auront des mains plus petites, donc le dessin tiendra sur une feuille de type A4 sans aucun problème. Voilà, j'ai mis ma main de nouveau remplie de peinture bleue. Je vais la poser juste à côté. De nouveau, sans mettre le pouce pour faire l'autre côté de la cape. Voilà la cape réalisée. Nous allons maintenant nous laver les mains pour continuer le dessin. Alors, nous allons continuer le dessin de notre super-héros. Donc, nous allons faire le logo Super Papa au milieu de la cape. Alors, j'écris Super Papa en bleu. Puis nous allons faire le dessin très simple des jambes et des bras du super papa. Voilà, tout simplement, très facilement, un joli dessin de super-héros pour la fête des papas. Alors si vous voulez, une fois que le bleu des mains est sec, on peut les passer avec le pastel magique triangulaire pour remplir un peu les zones en bleu. Rendez-vous dans 5 minutes quand la peinture aura séché. Vous pouvez donc remplir les blancs, laissez. Et pas trop fort hein, pour qu'on voit encore qu'il s'agit de doigts, d'une main. Laissez ici avec un pastel magique pour faire le dessin de la cape et du costume de super papa. Voilà, en espérant que ce petit dessin pour la fête des papas vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bricolage. Bonne semaine !